Mesdames, Messieurs, les infrastructures qui se dressent devant nous symbolisent la mise en œuvre concrète des autres orientations du chef de l'État, chef suprême des armées, Son Excellence M. Macky Sall. Sous la direction du haut commandement, la gendarmerie nationale s'est rapidement appropriée cette vision stratégique en élaborant un plan d'urgence et d'équipement spécial. Il s'est agi de procéder à une véritable transformation capacitaire de la gendarmerie nationale en termes d'effectifs, d'équipement et d'infrastructures. Grâce à cet ambitieux plan, la gendarmerie devrait atteindre en 2025 un effectif d'environ 35 000 militaires. L'acquisition d'équipements permet aujourd'hui de mobiliser et d'armer près de 100 escadrons au maintien de l'ordre, mais également des sections de recherche, des compagnies, des brigades de gendarmerie territoriale. Depuis 2 ans, une trentaine d'infrastructures ont été inaugurées, à l'image de celles-ci, objet de la présente cérémonie. D'un côté, nous avons les nouveaux locaux du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie de Ziguinchor, qui désormais épousera les limites territoriales des départements de Ziguinchor et d'Oussouy. D'un autre côté, se hisse majestueusement la nouvelle section de recherche créée à l'image de celle de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Tambacounda et bientôt Kaolack, afin de prendre en compte tout le spectre de la grande criminalité, mais également de renforcer l'offre de sécurité dans cette belle région de la Casamance qui a certes beaucoup souffert d'un long conflit armé qui connaît actuellement aujourd'hui une nette accalmie permettant aux vaillantes populations d'exploiter tranquillement les ressources et potentialités économiques de cette belle région. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous le savons tous, il n'y a pas de développement sans paix. Il est dès lors aisé de comprendre le choix de Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, d'inscrire la sécurité de nos concitoyens au cœur de nos préoccupations. Le contexte sécuritaire actuel et à venir, marqué par des crises multiformes, l'insécurité dans la sous-région, ainsi que les multiples défis de la sécurité intérieure, notamment dans cette partie de la région de Ziguinchor, démontre à suffisance la pertinence de ce choix.